Effectivement, dans un petit discours tout mince que le président Joe Biden prononcé devant le public, en fait, devant la presse, et bien justement, il a annoncé une décision ça, qui est importante pour l'administration liant que l'a dirigé. D'abord, thème que il prend dans le décret ça, il est en nous sécuriser les frontières. I've come here today to do what the Republicans in Congress refuse to do. Take the necessary steps to secure our border. Mais il dit qu'il souhaitait que l'administration travaille ensemble avec les républicains et au Congrès pour prendre une décision pour que vous fermez les frontières, mais limiter la quantité de monde qui a demandé asile sous frontière. Mais il dit étant donné que ça n'est pas fait et que tout est fait, pour que vous travaillez ensemble pour trouver une solution pour sécuriser les frontières, ça n'est pas fait. Et bien lui-même, il a fait travailler seul et il peut aller pour compter pour lui, justement, et prendre une décision. Ils n'ont pas le temps pour les jeux joués à Washington. And neither do the American people. So today, I'm moving past Republican obstruction and using the executive authorities available to me as president to do what I can on my own to address the border. Ça veut dire que sa décision est lui-même. Décision que le décret présidentiel a pris, c'est justement limiter quand c'est mon cap vite sur frontière, avec tout mon cap vite sur frontière illégalement, et décret ça a le pouvoir, le moyen pour que les bloquer et fermer frontières, les arriver à une quantité de monde qui dépasse. Soit par exemple, si vous dépassez les 2500 monde, eh bien, qui viennent entrer illégalement sur frontière, mais au moment ça, l'administration doit fermer frontière et il a fait pour deux semaines, ça veut dire 14 jours. Et pendant 14 jours, ça, la prête est fermée jusqu'à ce que la quantité de monde qui a quitté sur frontière descende pour arriver à moins 2500. À moins 2500, il a pour l'ouvrir encore. Cependant, le président dit, du côté humanitaire, dans la décision-là, il va se faire humanitaire. Là dans le tour, il dit que la décision n'a pas affecté les citoyens ou bien immigrants qui prennent rendez-vous à travers CBP Rwanda pour venir demander asile sur la frontière. Il dit qu'il est capable de toujours faire ça, CBP Rwanda toujours ouvert, au contraire, il encourage eux-mêmes à faire ça. Mais il dit qu'il souhaitait que, mais juste ça, que la prend justement en opposition côté que l'IPRAL déterminant, côté l'IPRAL capable d'aider à contrôler le flot d'immigration. Nous rappelons que le président, ancien président Donald Trump lui-même, il était utilisé. Et même mesure que président Biden prend aujourd'hui en 2017-2018 pour empêcher aussi de citoyens l'autre pays venir aux États-Unis, et me dit c'est excepté que prend décision dans moment nous avons question électorale, dans moment qu'il y a élection dans le pays, et c'est ça. Moi c'est Joubert Philippe Castel-Luneau depuis la Maison Blanche, Joubert Philippe, La Voix d'Amérique, Washington DC.